Alors, en parlant des fondamentaux de la gouvernance des ressources minérales, aussi bien mines de pétrole et gaz, il est important que l'on commence par le commencement. Le commencement, c'est le cycle de vie de la mine, quelle que soit la forme de la mine. Elle peut être une mine avec les ressources minières telles que l'or, le zircon et tout ce qui est minerai solide. Que ce soit le pétrole ou le gaz, le cycle est à peu près le même. C'est les mêmes étapes, c'est à peu près la même durée, c'est entre 15 jusqu'à 30 ans. Donc, ce qui fait que ici, il est important pour nous de renforcer la compréhension du secteur minier de façon générale. Et ensuite, voir quelles sont les différentes étapes du cycle de vie de l'exploitation minière. Quand on dit exploitation minière, comprenez que c'est à la fois les minerais, le pétrole et le gaz. Ensuite, c'est de voir quels sont les problèmes clés qui sont souvent rencontrés dans le processus d'exploitation, quelles sont les exigences en termes légaux, etc., ou politiques qui incombent à l'ensemble des acteurs, que ce soit les communautés, la mine en tant que telle, c'est-à-dire l'entreprise qui exploite, et l'État. Et enfin, c'est de comprendre quelles sont les responsabilités et les actions de ces différentes parties prenantes. Donc, ce qui fait que d'abord, on va rappeler quelques considérations générales pour camper le débat, puis revenir sur les principales étapes du cycle minier. Vous verrez que chaque étape a ses implications en termes juridiques, politiques et même en termes d'action sociale ou n'importe quelle autre action. Donc, ce qui fait que les principales étapes le cycle minier, on les retient. C'est quatre. Vous pourrez voir cinq ou six ailleurs, ou trois chez certains, disons, littéraires de ce secteur-là. Mais l'essentiel, c'est de retenir qu'il y a d'abord la phase d'exploration où il y a l'étude de faisabilité, où on recherche pour comprendre un peu quel est le type de minerai, ainsi de suite. Une fois que tout ça est fait et qu'on trouve que c'est bien exploitable, le projet, là, on passe à l'étape de planification et de la construction. D'ailleurs, ça s'appelle développement, etc. Donc, c'est la même chose. Vous verrez que quand on va dans les détails, vous comprendrez que les termes signifient tous la même chose. Et puis, l'exploitation proprement dite est l'étape qui est l'étape culminante. Et une fois l'exploitation terminée, donc, nous allons vers la fermeture de la mine. Donc, la fermeture implique aussi post-fermeture. On va s'y attarder plus tard parce qu'il y a des actions qui sont requises à ce niveau-là. Et à la fin de chaque module, on vous proposera quelques références, c'est-à-dire les sources de tout ce que nous avons dit dans nos différents modules. Et enfin, des listes de lecture, vous pourrez aller consulter ces documents-là qui vous donneront davantage d'informations sur ce que nous avons dit et c'est ce que vous voulez savoir de plus parce que en quelques minutes des slides, on ne peut pas forcément avoir tous les éléments que l'on veut. Donc, vous pourrez approfondir vos connaissances. Donc, en parlant de considérations générales, il faudrait retenir d'abord que la durée de vie d'une mine est limitée parce que ce sont des ressources épuisables. Si vous commencez à exploiter une quelconque mine, à un certain moment, le minerai est terminé et épuisé. Donc, naturellement, vous êtes tenu de passer à autre chose. Donc, la durée de vie des mines est limitée. La valeur est créée aussi dans ce secteur-là par les opportunités qu'offre l'exploitation à tous les niveaux, que ce soit au niveau de l'exploration, au niveau du développement, au niveau même de la fermeture, ça crée des métiers, ça crée de la valeur ajoutée pour ceux qui devront peut-être transformer le produit. Vous allez vous approvisionner en produits et en services, donc le secteur privé national peut en profiter et même le secteur privé international. Donc vous verrez que il y a une valeur ajoutée que la mine apporte d'une forme ou d'une autre. Et au fur et à mesure que la production progresse, naturellement, comme on l'a dit, c'est des jugements limités, donc l'exploitation diminue progressivement. Donc c'est à peu près comme le cycle de vie d'une personne. Plus vous prenez de l'âge, plus la force diminue, etc. Donc c'est à peu près la même chose. Une fois que cette production diminue progressivement et voire aller à un niveau presque zéro, il y a naturellement la phase de fermeture pour plusieurs raisons. Sauf que parfois, on peut fermer une mine même avant que le minerai s'épuise,
pour diverses raisons. Soit c'est le prix de ce minerai-là qui ne vaut plus rien dans le marché mondial, ou bien il y a des situations de sécurité qui ne permettent plus de continuer l'exploitation, etc. Ou bien il y a rupture même de contrat entre les deux parties pour des raisons diverses. On en a connu beaucoup d'expériences, notamment en Afrique de l'Ouest, et particulièrement au Sénégal, avec ArcelorMittal et l'État du Sénégal. Donc, la mine a été fermée parce que les deux parties ne s'étaient pas entendues sur certains aspects. Donc, retenons qu'une mine a un début et une fin comme tout autre être vivant. Donc, la mine est aussi comme un être vivant. Donc, par conséquent, une mine offre un cadre temporel limité et permet d'accroître le bien-être de la société, mais elle peut aussi détériorer ce bien-être de la société. Donc, ce qui implique une responsabilité collective des parties prenantes. Tous les acteurs, que ce soit l'exploitant, les communautés, l'État qui gère ce qui est gouvernance, encadrement, ont aussi des responsabilités importantes dans le processus d'exploitation d'une mine. Alors, c'est pourquoi les pays qui accueillent les projets miniers définissent ce qu'on appelle un cadre légal ou juridique. C'est des lois, c'est des politiques qui encadrent l'exploitation. Et dans ce cadre juridique-là, vous avez les droits d'explorer, les droits d'exploiter. Et à chaque niveau, vous avez une sorte de permis qui diffère du précédent. Donc, au début, vous avez un permis d'explorer, ensuite c'est un permis d'exploiter si vous trouvez que le jugement est important et qu'il peut apporter du succès. Il y a d'autres instruments qui tournent autour de tout ça, qui vont dans le sens de protéger l'intérêt des populations, l'intérêt de l'État, l'intérêt même des investisseurs, parce qu'il y a des lois qui encadrent un peu les investissements internationaux des multinationales. Et enfin, à un certain moment, quand la mine ferme, il faut aussi réhabiliter les sols pour permettre de les exploiter, parce qu'on ne peut pas aussi immobiliser des terres éternellement et ne pas les exploiter. Donc ça, c'est fondamental. L'exploitation du projet peut impliquer aussi des conflits. Donc, il est toujours important d'analyser les dispositions qui encadrent un peu la gestion et la résolution des conflits. Ça, c'est fondamental. Donc, littéralement, dans presque tous les pays du monde, si vous avez le cadre juridique qui est déjà là, il implique un certain nombre d'éléments, parmi lesquels je viens de citer certains, mais il y a d'abord les études techniques à faire, les études environnementales, ce qu'on appelle études d'impact socio-environnementaux, pour voir un peu quelles sont les implications ou les conséquences que l'exploitation de la mine pourrait avoir sur les communautés, pourrait avoir sur l'État ou tous les acteurs. Donc, cela passe souvent par des consultations publiques pour obtenir le consentement libre, préalable et informé des communautés. Donc ça, c'est des dispositions internationales aussi, ou des obligations même, je dirais, pour chaque projet d'une certaine dimension, de pouvoir recueillir le consentement des populations impactées à travers des consultations publiques. Donc ça, c'est fondamental. Donc, on revient sur les principales étapes du cycle de vie d'un projet minier. Généralement, je l'ai dit au début, ces quatre étapes. Il y a l'exploration qui implique une étude de faisabilité. La deuxième étape, c'est la planification et la construction. La troisième étape, c'est l'exploitation proprement dit. Là, il s'agit d'extraire le produit du même. Et quand vous terminez, vous fermez la mine. Donc, voici les principales étapes. Maintenant, je l'ai dit au début, vous verrez chez d'autres théoriciens d'autres étapes qu'ils vont mettre entre ces étapes-là. Donc ça, c'est plus détaillé. Mais retenez que c'est le début. Au début, nous avons l'exploration et à la fin, nous avons la fermeture en passant par la planification, la construction et puis l'exploitation en tant que telle. Donc, si vous vous référez, par exemple, à la source que moi j'ai exploitée, ces différentes quatre étapes se résument ainsi. Au niveau de l'exploration, d'abord, il y a les études de site et de l'échantillonnage, c'est-à-dire la compagnie vient faire des études de sol, font une extraction d'un échantillon du minerai qui est là pour aller maintenant évaluer d'abord la quantité de minerai qui est disponible au niveau du site concerné
mais aussi la qualité de ces minerais-là. Et enfin, la viabilité économique, c'est-à-dire, si nous exploitons avec telle quantité, telle qualité, voici à peu près ce que cela coûte dans le marché mondial. Donc, ce n'est qu'après cette étape-là que la compagnie décide de dire, je vais à l'étape suivante, c'est-à-dire de trouver mon permis d'exploiter pour passer aux éléments suivants. Mais retenez que la compagnie qui a fait l'exploration peut, dans certains cas, ne pas être même la compagnie qui exploite. Parce que de plus en plus, il y a des cabinets, des laboratoires qui sont spécialisés juste pour l'exploration et les études de faisabilité. Et quand elles terminent, elles cèdent toutes ces informations, toutes ces données à une autre mine, par exemple, qui peut faire l'exploitation. Ou bien c'est l'État même. Certains États ont les moyens de pouvoir doter leur cabinet ou leur laboratoire de tous ces moyens qui leur permettent d'explorer et ensuite prendre les données, les céder à une compagnie qui va exploiter. Donc, généralement, c'est la compagnie qui exploite qui fait ce qu'on appelle la planification et la construction. Cela implique les études d'impact environnementaux et sociaux, ensuite la construction des infrastructures qui vont abriter le site. C'est des bâtiments, c'est les logements, c'est les machines qui vont être installées, ainsi de suite. Mais vous verrez que c'est à ce niveau déjà qu'on commence à penser au plan de fermeture du site. Parce qu'au moment d'installer, ce qui fait qu'il y a des formes d'immeubles qui ne sont pas, par exemple, permises dans la construction. Parce qu'on pense déjà à la fermeture. Certains immeubles, ce sera difficile de les détruire quand on aura fini avec le projet minier. Une fois que toutes les machines sont installées, les infrastructures bien assises, on passe à l'extraction proprement dit du minerai. Là, c'est différents éléments, il y a le broyage, c'est-à-dire qu'on casse tous les minerais, on creuse, vous verrez qu'il y a des mines à ciel ouvert ou des mines souterraines, etc. Ou si c'est le pétrole et le gaz, ça peut être dans l'océan, ce qu'on appelle offshore ou onshore sur le continent. Donc, on installe toutes les machines qui commencent maintenant à extraire le produit proprement dit. Et là, c'est le produit brut. C'est pour cela qu'il a des résidus miniers qu'on déverse ainsi de suite. Et fondamentalement, cela a ses conséquences aussi sur les eaux, sur l'environnement, sur le couvert végétal, les populations, certains animaux qui migrent ou meurent, etc. Donc ça, c'est fondamental. Et une fois que l'exploitation est terminée, on pense déjà à la réhabilitation. Il y a des compagnies qui n'attendent pas de terminer l'exploitation. Elles commencent à réhabiliter au fur et à mesure qu'elles progressent dans l'exploitation. C'est-à-dire qu'elles creusent jusqu'à un certain niveau, un kilomètre. Une fois qu'on exploite ce kilomètre-là, on réhabilite le sol et pour que le couvert végétal puisse revivre d'ici quelques années. Ça, c'est fondamental. Et la dernière étape, c'est la fermeture. Elle implique la réhabilitation du site parce que c'est une obligation dans plusieurs pays ou presque tous les pays maintenant de réhabiliter le site. Et les environnementaux, ceux qui sont des protecteurs de la biodiversité, se sont battus de sorte que maintenant, cela soit une exigence pour tous les projets miniers. Si vous terminez, vous devez réhabiliter le sol si c'est un projet minier. Si c'est un projet pétrolier ou gazier, il y a des formes aussi de réhabilitation, littéralement, qui consistent à retirer tout ce qui est matériel de construction ou l'infrastructure même qui était installée au niveau des océans. Ça, c'est fondamental. Et ce n'est pas fini. Il y a le suivi environnemental. Le suivi environnemental consiste à voir, après réhabilitation, est-ce qu'il n'y a pas d'autres conséquences des produits toxiques qui auraient pu infecter les populations ou toute autre forme d'être vivant dans la zone. Ça, c'est fondamental. Alors, vous verrez que les principales étapes du cycle minier, l'exploration, la planification, construction, ensuite l'exploitation proprement dit et la fermeture, se présente à peu près sur une durée d'environ minimum 15 jusqu'à 30 ans. Alors, l'exploration à elle seule peut durer 3 ans en fonction des machines qu'on utilise, ou ça peut aller même jusqu'à 10 ans si les échantillons qui ont été relevés ne sont pas suffisamment convaincants. Ça, c'est pour les projets miniers. Donc, ce qui fait que dans la loi, vous verrez que certains pays donnent la possibilité à la mine de renouveler deux fois ou trois fois même leur permis d'explorer. Si c'est le pétrole et le gaz aussi, c'est à peu près la même chose, 3 à 5 ans la durée de l'exploration. Une fois que l'exploration est terminée, la planification,
le design et tout ça, ça peut durer entre 2 et 7 ans pour les projets miniers et 4 et 7 ans pour les projets pétroliers et gaziers. Puis vient la construction, c'est-à-dire l'installation des infrastructures qui peut durer entre 2 et 4 ans. Et les opérations proprement dites, c'est là qu'il y a beaucoup plus de temps. Ça peut aller jusqu'à 10 ans, 15 ans. À chaque fois que le minerai est disponible, ici, nous sommes dans la période des opérations. L'extraction peut durer des années. On a vu des projets dont l'extraction, en fonction de la taille de la mine et du contenu même de cette mine-là, les opérations durent jusqu'à 20 ans ou 30 ans même. Donc, ça peut durer des dizaines d'années. Et enfin, il y a la fermeture. La fermeture peut aussi durer entre 2 et 5 ans, avec toutes les implications que cela a, le fait de retirer le matériel, ce matériel lourd, de réhabiliter le sol, de faire le suivi environnemental pour voir est-ce qu'on peut encore renforcer l'écosystème ou même mettre des engrais de sorte que d'autres plantes puissent pousser dans la zone. Donc ça, c'est fondamental. Mais chaque étape, encore une fois, retenez-le, requiert son cadre juridique, ses obligations, ses responsabilités, mais aussi des actions, que ce soit sociales, etc., pour permettre de vivre en toute paix avec les communautés qui sont environnementales. Donc, j'ai rappelé encore une fois, exploration, construction, exploitation et fermeture, ce sont les principales étapes. On va s'attarder un peu sur l'exploration et l'étude de faisabilité. C'est la première étape du projet. La compagnie vient, elle explore, elle cherche. Chercher ici consiste à voir les sites où les minerais existent et sont exploitables. Donc, cela implique certaines actions ou certains efforts, dont le forage même, c'est-à-dire de creuser, aller chercher les minerais, voir à quoi ils ressemblent, son volume, sa teneur. Ça, c'est des études géologiques qui requièrent souvent une haute technologie. Là, de plus en plus, la technologie est avancée, cela permet à la compagnie avec des satellites, des avions, des ordinateurs, de pouvoir avoir toutes ces données-là. Sans ces données, on ne peut pas passer à l'étape suivante. Donc, une fois que vous extrayez quelques échantillons, ça vous permet d'aller les analyser. Et puis, à côté, il y a d'autres études qu'il faut faire. C'est d'abord la faisabilité technique. Est-ce que ici, je peux installer mes machines, ainsi de suite. Ensuite, il y a la faisabilité financière. Est-ce que la mine, ce qu'elle requiert comme investissement, je peux le faire. Et quels sont mes partenaires financiers qui pourront investir là-dedans, etc. Et il y a aussi la question environnementale, c'est de voir jusqu'où je vais impacter sur l'environnement et tout cela avec les consultations avec les communautés, etc. Donc, ce n'est qu'après avoir réglé tous ces aspects-là qu'on peut dire la prochaine étape, on va construire les infrastructures pour ensuite exploiter. Donc, ça, c'est fondamental. Donc, les études de sol, tout ça. Ça, ce sont des éléments fondamentaux dans ce processus-là. Donc, vous verrez que il y a des activités de prospection qui peuvent durer parfois juste 3 ans parce qu'on a la technologie nécessaire, ou parfois plus même parce qu'on n'a pas toutes les données nécessaires pour pouvoir exploiter. Donc, cette étape-là est déterminante dans la vie du projet. Parce que ce n'est qu'après avoir réalisé cette étape-là qu'on peut aller voir les étapes suivantes. Donc, retenons que cette étape d'exploration, c'est l'étude de cadrage, c'est-à-dire délimitation, voir est-ce que le site est viable, est-ce que le sol est exploitable, et ainsi de suite, les études de sol. Ensuite, l'étude de faisabilité, que ce soit financière, environnementale, économique, etc. Et enfin, on a le plan d'investissement qui nous détermine tous les coûts et les rendements possibles du projet minier avant de s'engager dans l'exploitation proprement dite.